Bonjour à tous. Bienvenue à cette fête annuelle de l'amicale franco-portugaise de Revin. Nous attendons juste que nos amis qui viennent à côté de l'île nous rejoignent sur scène, si vous êtes prêts. Et puis nous allons démarrer les festivités. C'est la 40e année de la révolution des ayés. Donc c'était en 25 avril 1974. Marqué le Portugal, comme tous les Portugais qui sont en France et puis à l'étranger. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je suis ici présente cet après-midi parmi vous pour la fête annuelle de l'amicale franco-portugaise de Revin. Mais l'association de Revin, je crois pouvoir le dire, est la plus ancienne de ce réseau associatif franco-portugais. Elle a été fondée en 1957 et fête donc cette année ses 57 ans. Aujourd'hui, on fête les 40 ans du 25 avril 1974. C'est une date, c'est sans doute la date la plus importante pour le Portugal contemporain. C'est une date que peut-être est déjà lointaine pour ceux qui sont les plus jeunes parmi vous, parmi nous, et heureusement qu'on a beaucoup de jeunesse. Mais il faut se rappeler qu'il y a 40 ans, c'était parce qu'un groupe de jeunes officiers rebelles, ce qu'on appelle les capitaines d'avril, ont ouvert le chemin de la démocratie et du progrès et de la liberté au Portugal. C'était à cause d'eux que le Portugal a retrouvé son chemin. Monsieur le Consul, Messieurs les Présidents, c'est avec un grand honneur qu'on vous reçoit à Revin. Permettez-moi de vous offrir ce petit cadeau de la ville de Revin. Ce matin, nous avons discuté un petit peu en allant au monument du Maquis, des Posugères. Donc c'est quand même quelque chose de très important que l'association portugaise pense aussi aux gens qui ont été assassinés dans la forêt de Tulle. Donc, je trouve que je suis tout cœur avec vous et je vous remercie de votre passage à Revin. Je pense que vous en aurez un beau souvenir. Aujourd'hui, le temps n'est pas trop mauvais, vous avez bénéficié d'un peu de soleil, mais c'est souvent comme ça chez nous. Merci. Não consegue descansar. Uma dor que vem no peito, uma vontade.
Oh,